Les habitants de l'ouest des États-Unis sont confrontés depuis 3 jours à de très mauvaises conditions météo en raison d'une dépression venue du Pacifique et qui balaye toute la côte du Canada jusqu'au sud de la Californie. Cette tempête apporte, selon les régions, des vents violents avec des rafales parfois plus de 200 km/h, parfois des tornades, des coulées de boue, de fortes chutes de pluie ou encore d'abondantes chutes de neige en altitude. Le bilan fait état d'au moins 2 morts, 2 personnes tuées dans l'Oregon par la chute d'arbres. Près de 500 000 personnes ont été privées de courant. D'après les services météo, cette tempête est la plus importante depuis 2009. Les régions où les dégâts sont les plus spectaculaires sont celles qui ont été touchées par des incendies ces dernières années, les feux de forêt ayant fait disparaître la végétation censée stabiliser le sol et limiter les glissements de terrain.